told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened, and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. So far it's shaking for my own. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis et là je vais vous faire voir une maison assez hallucinante qui est en train de se faire construire par Clément et sa femme. Viens Clément s'il te plaît, viens te présenter, dire bonjour à nos petits bandits. Salut les bandits. Voilà, donc lui c'est Clément, c'est un copain et ils sont en train d'aménager depuis environ combien de temps? Depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août, ils sont en train d'aménager une maison de ouf. Vous allez voir, c'est un truc assez énorme. Allez, assez perdu de temps, je vous emmène. Salut, salut les bandits. Donc moi c'est Clément, donc j'ai une trentaine d'années, je suis passionné par les véhicules motorisés, en particulier par les camping-cars, mais les camping-cars artisanaux. Donc depuis une dizaine d'années, avec mon épouse, on vit sur les routes, on est passé du petit fourgon au poids lourd et maintenant au véhicule semi-remorque. Une semi-remorque pour avoir encore plus gros. Maintenant avec les deux enfants, le Volvo, l'ancien, le porteur de 12 mètres, c'était un petit peu compliqué. On manquait un peu de place et on veut toujours plus gros. Enfin, c'est mon avis. Donc on a acheté donc ce véhicule tracteur, indépendamment donc de la semi-remorque. C'est un ancien véhicule auto-école qui a à peu près 500 000 km en 6 places carte grise, très important pour nous, avec les enfants bien sûr, pour éviter tout un bazar avec l'homologation, ça fait passer, ça sera plus rapide et plus simple pour nous. Donc c'est un véhicule des années 2000 avec 420 chevaux. Alors fini, on sera avec une semi qui sera aux alentours de 10 tonnes et un tracteur de 7,5 tonnes, ce qui fera un total de 17 tonnes à peu près, 17-18 tonnes tout plein fait. Pour 420 chevaux, le rapport devrait pas être trop mal. On mange camion, on vit camion, c'est une passion que j'ai alliée avec un métier maintenant. Notre ancien véhicule, c'était un Volvo aussi, on reste dans le suédois. C'était un porteur, un Volvo FM7 que j'ai acheté avec une caisse en très mauvais état. J'ai enlevé la caisse en très mauvais état, puis j'ai construit avec des panneaux neufs commandés dans une carrosserie industrielle dans laquelle je travaillais, construit une caisse neuve, une cellule neuve. La cellule, le véhicule au total faisait 12 mètres de long. La caisse était à 9,80 m. C'était un simple cabine, mais déjà une très très grosse caisse, très haute en plafond, mais fabriquée sur une base neuve. Voilà, pour cette semi, on va être sur une longueur approximative de 16 mètres. Pour moi, c'est 16 mètres. 14 mètres la remorque, 14,50 m exactement. Plus le tracteur. Attelé, on sera à peu près à 16,50 m. Surface habitable utile, 35 mètres carrés. Hauteur intérieure, on a 2,65 m finis, ce qui nous donne une très bonne hauteur de plafond. Donc
pour pouvoir aménager en conséquence, faire des estrades, etc. Une chambre en hauteur pour les enfants. Et si cela vous intéresse, on va aller faire un tour à l'intérieur pour vous montrer le début des travaux. Alors ici, ça sera une entrée secondaire, une entrée indépendante de la partie habitable qui sera à l'avant. C'est en quelque sorte une partie garage buanderie avec une grosse soute. Alors voilà, ça y est, on est rentré dans le semi-remorque, c'est un truc de dingue. Moi j'hallucine. Il va vous en parler plus en détail après, c'est son projet. Moi, ce qui m'a marqué, c'est bah, les panneaux qui sont droits, tout est à l'équerre, donc ça c'est génial. Franchement, c'est super simple pour l'aménagement. Enfin, c'est plus simple que des courbes partout, ouais, comme un bus. Tu vas avoir beaucoup moins de pans thermiques aussi. Truc de dingue, parce que t'as pas toutes ces structures métalliques qu'on a dans les bus. Je compare par rapport aux bus et aux autocars. Hein, voilà. Et l'isolation, vu que c'est une caisse frigo, on va vous faire voir tout à l'heure en détail tout ça, c'est un truc de malade. Donc voilà, c'est assez impressionnant, hein. C'est long. C'est voilà. Je vais vous laisser avec Clément, il va vous présenter son intérieur plus en détail, qui est encore en chantier. Et vous avez vu, je pense qu'il travaille propre, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est pas un chantier qui est trop en bordel, et il ne savait pas qu'on allait faire une vidéo sur son camion, donc il n'a rien nettoyé. Et moi je dis ça va, c'est bien rangé, c'est propre, c'est nickel. Donc alors on a choisi un véhicule de type semi-remorque frigorifique, donc pour passer outre l'étape de l'isolation, afin de gagner du temps, de l'argent et aussi en efficacité. C'est fabriqué par des procédés, par une marque, c'est une semi-lambérée, c'est des procédés techniques, industriels, avec un beau bureau d'études. Donc c'est quelque chose de manière professionnelle qui a été étudié pour que ça soit le mieux isolé possible. Donc c'est pour ça notre choix s'est tourné vers ce type de véhicule, donc pour ces raisons-là. Donc j'ai pu d'abord, dans un premier temps, faire toutes mes ouvertures, les lanterneaux, les fenêtres, en ayant au préalable choisi l'emplacement de mes pièces pour justement faire mes découpes et poser ces fenêtres-là. Et ce sont donc des fenêtres qui portent la mention 43R, qui sont donc homologuées pour la route. Donc avec, ce sont des fenêtres en polycarbonate, donc incassables pour la sécurité des occupants et des autres usagers de la route. Donc ici, nous aurons une chambre, la chambre parentale, qui sera légèrement surélevée pour accueillir mes réserves d'eau propre qui seront donc situées à l'intérieur du véhicule, hors gel. Ici, nous aurons une salle de bain, une salle d'eau, avec une douche, un WC, qui sera cloisonné avec une sorte de couloir pour accéder à cette partie, la chambre parentale. Nous passons ensuite dans la partie cuisine-salon avec la future porte d'accès principale à la zone habitable du véhicule, qui sera donc ici, située face à une cuisine qui sera en L, avec ensuite pour la partie salon, le canapé. Face au canapé, nous aurons notre zone télé, plutôt écran, avec un écran, un petit meuble multimédia. J'ai décidé de passer des câbles Hi-Fi pour installer des enceintes de monitoring qui seront gérées par une table de mixage pour brancher les différents éléments tels que l'ordinateur, du lecteur MP3 ou les téléphones. Donc j'ai voulu faire quelque chose de vraiment professionnel à ce niveau-là en passant tous les câbles derrière mon lambris. Après le canapé, ici, nous aurons une cloison avec une porte d'accès pour arriver dans une salle de jeu pour nos deux filles. La salle de jeu sera située ici. Ça sera cloisonné et fermé hermétiquement, phoniquement, vers le reste du véhicule. Il y aura une chambre qui sera située en hauteur, une sorte de mezzanine, avec les deux lits des deux petites filles dans la longueur du véhicule. Sous le lit, on aura une zone de chargement, de garage, un local technique, une grosse soute,
où je pourrais mettre mon local technique batterie, mes réserves de gaz, ma mobilette, ma machine à laver et pouvoir ranger la totalité de mes outils. Donc, concernant le choix des matériaux, donc là en l'occurrence pour le moment juste le plaquage, on a choisi d'utiliser un lambris peint brut pour plusieurs raisons. Ça apporte une certaine chaleur. On aime ça, le bois. Et la facilité, la mise en œuvre est facile. Les finitions sont inexistantes. C'est très très facile à mettre en œuvre. C'est un matériau léger, sain, écologique. C'est quelque chose que j'utilise depuis de nombreuses années dans tous mes camions. Et on a vraiment adopté ce type de matériel qui est utilisé pour toute la partie habitable, sauf la pièce humide, la salle de bain. Pour le sol, j'ai utilisé, pour remettre à niveau et pour utiliser une base propre et faciliter la mise en œuvre des cloisons, etc., j'ai choisi un plancher en peuplier simple qui sera recouvert. Le choix n'est pas encore fait, probablement d'un stratifié de très bonne qualité, un lino, plutôt un lino pour la salle de bain pour des raisons d'étanchéité, d'humidité, et dans les chambres, des zones de passage où le passage est moindre, dans les chambres enfants et parents, peut-être plutôt un parquet de type massif. Pour le plafond, nous allons utiliser du lambris PVC blanc. Donc ici, dans la partie salon, j'aurai ma petite partie technique avec le compteur électrique, donc qui comprendra les indicateurs de niveau d'eau, de batterie, les contrôleurs du système Victron solaire, l'autonomie électrique, etc. Donc avec deux circuits principaux séparés, un circuit basse tension pour certains éclairages, et un circuit haute tension, donc en 220 volts, en 2,5 carrés, donc pour tout ce qui est prise électrique, ou ma pompe à eau par exemple, qui tourne aussi en 220, le frigo, etc. Concernant notre gestion des eaux, j'ai choisi d'installer donc une cuve d'une capacité d'environ 1200 litres, qui sera située hors gel, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la chambre, sous une estrade, qui pourra donc alimenter une machine à laver, une douche, un évier et un WC de type broyeur. Pour se chauffer ce gros volume, on a opté pour une solution pour un chauffage qu'on connaît déjà, le chauffage gasoil à type air pulsé. C'est un planard, donc le type V-Basto, avec deux chauffages indépendants de chaque côté qui distribuent l'air chaud de chaque côté de la SMI. Donc c'est croisé pour avoir une répartition égale de la chaleur, chose qu'on n'avait pas dans notre ancien véhicule. Le V-Basto était à l'avant, ce qui fait qu'à l'arrière, ça chauffait un peu moins. En puissance de chauffe, nous serons à 16 kW, donc répartis sur deux chauffages, donc 2 fois 8 kW. Pour le réservoir de l'alimentation de ces chauffages planards, nous avons gardé le réservoir principal du groupe froid qui a été démonté et revendu. Donc il y a une capacité de 200 litres qui nous laisse une grosse autonomie et pouvoir avoir la possibilité de mettre du fuel plutôt que du gasoil routier. Donc le travail sur ce projet, sur cette semi-remorque, est en parallèle d'un travail salarié. Je fais approximativement 40 heures semaine. Donc je m'occupe de ce chantier quand je peux, donc le soir et le week-end. Ça me prend beaucoup de temps, bon, c'est une passion également. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça, mais c'est un projet qu'on espère finir pour le mois d'août 2020, étant donné un emploi du temps déjà très chargé professionnellement. Ça fera un chantier, on espère, d'un an approximativement. Avec ce véhicule, dès qu'il sera fini, après beaucoup de travail, salarié et du travail quand même dessus, on souhaite en profiter un petit moment. Donc voyager, comme on a déjà pu faire avec nos anciens véhicules, puis ensuite travailler à gauche, à droite, dans toute la France, rester plusieurs mois au même endroit, travailler et allier le travail et le voyage. Avec un gros véhicule comme ça, on s'adapte. De toute façon, on n'a rien sans rien.
Beaucoup de gens nous disaient ça déjà pour notre ancien véhicule qui faisait déjà 12 mètres et 4 mètres de haut. Ce n'est pas handicapant. Par rapport au confort que ça offre, on s'adapte. C'est un choix. On connaît les contraintes qui n'est pas finalement une contrainte pour nous. On s'adapte. Avec notre ancien camion, on a pu parcourir la totalité de la France. Puis on a voulu ouvrir un petit peu notre envie de découvrir le monde hors Europe. Nous avons fait un petit peu l'Espagne et surtout le Maroc. On y est resté une dizaine de mois en 2018. Je pense que ce voyage au Maroc nous a marqué à vie. C'est notre premier gros voyage hors Europe. Ça nous a marqué. C'est un pays où on en est tombé vraiment amoureux. Et le premier pays qu'on va revisiter avec cette future semi, c'est sûr, c'est le Maroc. C'est sûr. On est tombé amoureux. C'est ouf. Don't go out tonight, I don't have the luck. It's over 1500 miles and that's enough space for me. Was it really us? It doesn't seem to be. One arm on my chest and my head overseas. In a river I would wade where the weeds gave way. There was no current in my memory. Alors mon choix pour cette semi s'est porté sur plusieurs choses. Des coffres, en particulier donc des coffres déjà installés d'origine. Donc parlant béret, un gros coffre à l'avant, un petit coffre à l'arrière, le tout des deux côtés. Donc ce sont des coffres qui vont me servir pour stocker mes réserves d'eau usée, mes chauffages pour le bruit, ainsi que le groupe électrogène embarqué et différentes choses telles que le matériel de camping, des tables, des chaises, etc. Tout ce qui est système de plomberie d'arrivée d'eau fraîche, d'eau douce et propre, tout est à l'intérieur justement pour éviter le gel et être hors gel pour éventuellement s'aventurer dans des pays un peu plus froids que le Maroc. Donc voici pour la présentation du projet de l'aménagement en construction de notre semi-remorque. J'espère qu'elle sera donc finie aux alentours du mois d'août 2020 et que je pourrai recroiser Jérém pour vous faire un home tour du véhicule une fois fini. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et il a vachement été technique dans tout ce qu'il vous a expliqué tout et franchement, merci bien toi d'avoir voulu jouer le jeu, de présenter ta petite maison. Je sais que merci beaucoup facile. À toi. Je sais que c'est pas facile, bah, de rien, merci mutuel en fait. Voilà, nous parfait. On vous laisse, on va aller se prendre un petit chocolat chaud parce que là, ça commence à cailler sévère. On est dans un champ de choux. Choux, anciennement colza. Anciennement colza, ils ont dû remettre des choux par-dessus pour l'hiver. Et voilà, la campagne, un décor champêtre. À bientôt, prenez soin de vous, mettez des petits pouces, abonnez-vous. Bye bye. Salut. The smoke hit the sky and a hopeless romantic with eyes never frantic was waiting on an easy virtue. Ben, je vais vous laisser avec... Merde, putain, Clément. J'ai un trou. Attends, je vais... 1, 2, 3... Super. Il y a tellement de fenêtres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bon, bah c'est cool. Putain, merde, j'ai oublié ton prénom quand on filme. C'est Clément. Quoi, Clément, arrête tes conneries. Comme le temps aujourd'hui. Comme le temps. Le temps, ouais, breton, le Clément. Le temps, il est Clément. Voilà.